suis Bob Lennon. Ah, ah, et qui sonne à la porte? Que se passe-t-il? Faire entrer Fantasia. Oh, dis donc, mais qu'est-ce qu'il y a comme belle chose ici? Ah oui, là je suis content, surtout que vous connaissiez déjà ce garage, chers amis, avec les ruineurs, les voitures du plaisir, les voitures années 70, mais j'ai rajouté quelques petits bijoux à ma collection, mon cher Fanta. Regarde-moi ce bijou, cette voiture noire et rouge là. C'est juste une berline Albanie de merde, c'est un truc, ça vaut 9 000 $. Ah ouais, mais il achète des frigos le gars, et il nous fait croire que c'est des Porsche. Et oui, t'as vu ça? Et regarde, attends, celle-ci, j'en suis tellement fier, cette voiture blanche, tu l'as déjà peut-être vu, mais c'est la Futo, c'est la même voiture qu'il y a. Initial D. Voilà, bah, c'est ça, c'est le plaisir, c'est le plaisir. Et enfin, la dernière qui m'a fait beaucoup rire, celle-ci, cette espèce de hot rod. Voilà, Dès les débuts, c'est complètement métal. C'est old school. Hein. Et là, tu l'as complètement peint de manière super cool, parce que là, il y a les petits fils rouges et tout. T'as vu, on a vraiment l'impression que c'est une voiture majorette, quoi. Hot Wheels, c'est pour ça. Enfin, en tous les cas, mon cher Fanta, je te propose de prendre la Futo dans cette partie, de foutre la merde extrêmement courte, parce que Fanta doit aller chercher sa fille. Ah ouais, on est à la bourre, je suis désolé, l'épisode sera juste le temps. Qu'on puisse... Putain, je peux pas me barrer. C'est pas grave, moi je suis dedans. Que je puisse aller chercher ma gamine sans me faire tuer par ma femme. Oh là là, c'est ta caisse? Est-ce que c'est une Omnis? Voilà, justement, j'ai pensé à Initial D. Hein. Si tu veux de l'Eurobeat, je te laisse la conduire. Oh putain, une Omnis! Oh là là, tu me laisserais conduire ce bijou! L'Obey Omnis! Oh là là, attention, Initial D, chers amis, on apprécie. Est-ce que tu sais où est mon bureau, mon petit ballon? Absolument pas! Oh, j'ai fait péter un de tes feux arrière à force de faire un burn-out trop puissant. Le pot d'échappement qui fait péter un feu arrière. Le bureau, je sais pas où c'est le truc du milieu là. Ouais! T'as un bureau toi, t'as une drift! Ce drift d'Azé! Oh là 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 là! Oui, je l'ai le bureau moi. Je crois qu'on a le même d'ailleurs. Donc vas-y et puis je te montrerai mon. Est-ce que tu es à la Trump Tower ou à celle qui est un peu plus jolie mais un peu moins. Ah putain! Un peu moins chère mais un peu plus jolie. Non, la plus chère. Ah, bien sûr. Toi, tu prends toujours la plus grande qualité. Alors que moi, je recherche le bijou, tu vois, le bijou! C'est comme Zelda dans Breath of the Wild, tu vois, elle a des trop gros sourcils, mais ça fait aussi partie de son charme, du coup, voilà, quoi. Faut aimer... mais oui, mais les poils, mon gars, les poils. Les poils, bah, écoute, ça réchauffe. Ah bah, les poils, c'est le choix du patricien, mon gars. C'est doux. Le choix des patriciens. Attends, t'habites au-dessus. C'est ça, hein, ouais, c'est Trump Tower, t'habites au-dessus, toi. Je sais même pas. Mais guide-moi, c'est tout frais, la peinture est encore toute fraîche. Mais t'as l'icône, mon gars, start, et puis mets-moi un GPS, ce gars. Alors, attends. Mais je sais pas où c'est après. Ah, c'est là, t'as raison. Votre garage. Où ça? À droite, à gauche? Moi, je sais pas. Je pense que c'est en bas. Tu descends si tu veux aller à mon garage. D'accord. Voilà, il se coupe. Oh là là, mais c'est Il y a un vigile parce que moi je le paye, mais larmes. Alors, moi j'ai pas de vigile du coup. Je vais dans mon. Ouais, rentre dedans. Voilà. Une fois que tu sais. Attends, je vais dans le bureau et ensuite le garage. Attends, pas dans le bureau, attends. Monte dans la voiture, monte dans l'Omnis, tu vois. Monte dans ta voiture, conduis ta voiture, laisse-moi monter en passager et normalement. Voilà, comme ça je l'arrange. Allez, impeccable. Voilà, et on va dans le garage de fonction. Très bien. Donc simplement pour faire un peu l'état des acquisitions. Oh là 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 là, oui, parce que moi je me la pète avec ma Futo, hein, tout ça, mais les gars ils se ramènent avec une Omnis, mon gars. La voiture à 800 000... Et la Batcave. Oh là 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 là. Oh là là, c'est révérencieux. Oh. Oh là 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 là. Ce garage. Alors, il y a trois étages. Le mec qui se la pète. Oh là là, mais c'est voiture de qualité. Une débauchée rapide GT, même pas assurée. Oh là là, cet homme n'en a rien à foutre. Il les a juste achetés avec le bling de la carte bleue. Et ensuite, il les a même pas. Tu les as même pas emmenés custom. Il y a trois étages, tu peux naviguer de l'une à l'autre. De toute façon, je peux pas vraiment en mettre beaucoup plus. Oh là 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 là. Effectivement. Est-ce qu'on peut sauter? Non, on ne peut pas sauter, effectivement. T'as combien de place dans cette... Ah bah tiens, non, j'ai pas rempli en haut, dis donc. Donc il faut que j'en achète d'autres. Oh là, il faut. Oh putain, alors que moi je suis en tuto, tu sais, en mode tuto, comment ça s'appelle? Alors aujourd'hui, avec du papier alu, des bouchons de papier peint et des soutiens-gorge, nous allons faire à la pain de Pâques. Albizobis, voilà. Tu vois, je suis en mode pour ça, alors que lui il est là, alors moi aujourd'hui avec ma carte bleue.
Oh là là, laquelle là te là dit là le plus là 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 là. Pegasi Reaper Vapid. La Pegasi Reaper qui est qualitative. Bravado Banshee qui a son charisme, bien sûr. La Dinka Akuma, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle vaut 9. En fait, elle a une super accélération, super exactement, vitesse. Exactement, on est d'accord. Sauf ouais, que elle, c'est une des meilleures motos, mais qualité-prix. Mais elle est moins chère. Elle vaut 9 000 $. Ouais, non, mais j'en ai rien à foutre, je veux la vitesse. Pegasi, la performance. La Progène T20. Oh là 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 là. Mon cher Fanta, je propose une petite sortie Progène T20. Voilà. Allez. Et dis-toi que si jamais elle explose suite à nos pérégrinations, si jamais ça elle sera pas trop grave. Bah, elle est pas assurée, donc ce sera très grave au fait. Non, elles sont assurées, y a pas de soucis. Moi j'ai vu que c'était pas assuré, oui. Mais si c'est pas assuré, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle est détruite, et puis c'est marre. Ah ouais, putain, mais elle coûte hyper cher. Ah bah oui, mon gars, c'est le non, elles sont assurées d'office quand tu les achètes au c'est shop. Sûr, tu les as achetées au Black, je suis sûr. Tu les as achetées au Black Panther. Au Black Panther. Putain, mais cette vitesse, cette vue intérieure, ce confort. Oh, par contre, le Fanta qui conduit, waouh, on dirait il est dans une auto-tamponneuse. T'as les genoux au niveau des bras. Mets-toi en vue intérieure, regarde. Non, je mets pas en vue derrière, c'est toi qui aime ça. Oh là 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 là. Mais mets-toi en vue intérieure 5 secondes juste pour voir tes genoux. C'est moi qui filme de toute façon. D'accord. Oh là là, mais ce style. Ouais, mais pour conduire, c'est moins facile. Bah, ça ressemble à rien, c'est sûr. Pleine vitesse. Bon, c'est on va commencer à tuer des gens, hein. Parce qu'il faut foutre la merde. Foutre la merde. Bah oui, ou se taper ça, ou niquer une voiture à 900 millions de dollars, bien sûr. Hein. Le Fanta, lui, paniqué. N'a absolument pas de scrupules à réduire. Allez, on va aller sur... Exactement. Oh, attends, elle sera peut-être ouverte. Est-ce qu'on peut aller faire un manège? Allons foutre la merde en allant faire un manège. Tu vois le... C'est sur la droite. D'accord. Voilà, très bien. Très bien. Tu vois le l'indicateur de... Ah, merde. Est-ce que tu veux que je conduise jusqu'à là-bas? Non, mais t'inquiète, on a le droit de boire un petit peu. Ah, c'est pas de l'alcoolisme, un verre, c'est quand même pas si grave. Ginette. Voilà, Ginette, bon. Hein. Sa Ginette à donf. Hein. Vas-y, à fond. Et maintenant, gâchette droite, le drift. Oh là 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 là. Bon, il a drifté sur la parking, hein, c'était pas très... Prends l'escalier. Pleine vitesse. Ah bah alors, oh bah non, c'est quoi ce jeu? L'escalier, quoi. Tu le programmes ouais, comme une rampe. Ouais, mais attends, mais ils ont aucune notion de gameplay, ils ont aucune notion du fun. Ils font des jeux Early Access abandonnés. Aucune notion du fun, les gens qui font les jeux de GTA. Non, c'est... Vas-y, petit demi-tour. En tout cas, ils nous escroquent, hein. Ah ouais. Parce que je vous rappelle quand même que je me suis fait bannir pour avoir acheté une Shark Card, hein. Il s'est fait bannir pour avoir acheté l'argent du jeu légalement. Hein. Voilà, c'est... Voilà. Ah oui, vous avez quand même gagné beaucoup d'argent très vite. Donc en gros, ils bannissent au pif, le jeu il est envahi par les hackers. À droite. Attends, faut que tu montes là. Monte, allez, montre-moi ce qu'elle a dans le ventre. Oula. Ouais, non, pas littéralement là, mais pas sur le dos. Gauche, laisse appuyer sur gauche. Bah, j'essaye, hein. Il arrive plus à lever, c'est l'âge. Ah putain. Ouais, si bon. Seulement c'était possible. Oui, bah écoute, ouais. C'est juste à gauche, voilà, pète les barrières là. Oh putain. C'est bon là, ça passe. Vas-y, puis demi-tour droite. Et hop, voilà, super, prends le pont. Pleine vitesse sur le pont. Renverse des gens ou pas trop. Allez, le bout de la route 66. Tu savais que c'était le bout de la route 66, cette baie? Sérieux? Non, la route la plus longue des États-Unis, je crois. Oui, bien sûr, mais je l'ignorais parfaitement. Freine. Pas de couilles. Oh putain, je suis mort. Oh le glandu. J'avais pas de couilles. Bon, allez, direction manège, allez. J'avais pas de couilles, mais j'avais raison, mon gars. Comment on utilise les armes déjà là dans le jeu? Attends, pas tout de suite, tire pas. Si jamais on excite les flics avant de faire le manège, ça marchera pas. L'intérêt c'est de se mettre en haut de la grande roue puis de jeter des grenades, tu vois. Oh, les cactus ils sont colorés, c'est joli. C'est joli. En plus, c'est vraiment de la merde ce manège. Mais il est trop bien. Ouais, il a haché. Mais les gouttières! Il avance pas. Mais les gouttières! C'est la grande roue, mon gars! C'est la décadence! Bon, j'arrive. Je veux dire, on est des... Tout ça parce que tu veux choper, hein? Bah oui, la main sur la cuisse, le fanta, le délice, le régal, le plaisir. Je sais pas comment je vais réagir. Alors comment on monte? On remonte dedans? Comment on monte dedans? On peut pas monter dans la grande roue, j'ai l'impression. Si, je suis sûr, ça se fait.
Je suis sûr que ça se négocie. Dans le grand 8, c'est sûr on peut monter. Attends, c'est peut-être de l'autre côté. Faut peut-être acheter un ticket. Dans le grand 8. Attends, faut peut-être acheter un ticket aussi, Fanta. Non, que dalle. Si, c'est là, Hunter, regarde, c'est là, Hunter. C'est ici, j'y suis là. Reviens. Voilà, regarde. Okay. Voilà, appuie sur droite dans 3, 2, 1, droite. Un clic. Vas-y, t'as fait droite. Ouais. Super, arrêt. Voilà. Moi, j'entre dedans. Et toi, droite, bourre droite. Il veut pas. Vas-y. Droite. Non, il veut pas. Droite, tu peux pas faire merde, droite, sur Hunter. Droite. Ok. Ok, c'est pas mal ça. Ok. Ok, on est bien. Ça y est. Super. Vous êtes prêts pour avoir du fun? Oh mon dieu. Attention, du fun. Là, on est en position. Hein. Ah là, c'est, là, on est bien. Là, en fait, c'est ça l'astuce. C'est le premier qui change et qui se retourne, en fait. C'est comme le duel. Tu sais, c'est au premier qui sort sa bite. Hein. Exactement. On est bien, là. Vas-y, appuie bon, sur Select. Et qu'est-ce qu'on peut se barrer Ah non. Ah bah non, changer pas. De vue. Tu peux changer de vue. Alors, regarde, tu peux changer de vue et regarder. Tu peux voir la mer, tu peux voir la ville, tu peux voir tout ça. Attends, qu'on monte, tu vois, ça va être trop bien. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas mal. T'as vu c'est bien. Il est mieux que ce que je pensais. Attends, un peu de temps, on n'est pas encore en haut. Parce qu'il y a un bon effet à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Quand t'es en vue extérieure, ça sert à rien, mais quand tu es en vue intérieure, ça change tout. D'ailleurs, mon cher Fanta, je t'invite. Il y a une belle lumière là. Je t'invite à te mettre en vue intérieure et à essayer de mater mon cul. C'est difficile parce qu'il y a un poteau entre nous. Je peux pas parce que. Ah, parce que je vois ton ombre. Tu vois, je vois presque ton cul, ouais. Ah, c'est ça. Donc, c'est au premier qui se retourne. C'est l'épisode le plus intéressant qu'on ait jamais fait sur. Waouh ! Regarde à droite ! Enfin, dans le sur ta droite, dans la flotte, est-ce que tu vois l'espèce de décor que tu peux faire en jet ski ? Il y a un chemin en jet ski ! Quoi ? Il y a un chemin en jet ski ! Sors ! Appuie sur droite ! Le manège s'arrêtera à la prochaine boucle. Oh non ! Allez, PD ! Oh non ! Et eh bah, ben, du coup, on va se retrouver dans le prochain épisode, donc tu vois, parce que ma fille allait chercher. Il faut qu'elle aille chercher sa fille, c'est pas possible. Ah non, on est bloqué. Mais c'est promis, on continue. On et la est prochaine bloqué. Fois, on va foutre la merde. On va foutre la merde. Parce que j'ai merde. Des armes de guerre, mon on gars. Va foutre j'ai la des merde. Tanks, mon gars. Et bah, vous savez quoi moi, je m'en fous. L'épisode continue. Fanta, je te fais des bisous. Super. Vas-y, coupe. Voilà, et moi, je vais faire un peu de jet ski. Voilà, parce que j'ai vu ce truc et ça m'excite en fait. C'est pour ça. C'est sympa. C'est vraiment sympa. C'est la première fois qu'on fait un épisode où quelqu'un part en cours de route. Je me barre, mais attends, mais c'est ça. On va faire un fausse coop, demi-coop. C'est de la coop. Il manque un haut. La Allez, coop solo. Bisous, Fanfan. Coupe Discord, coupe tout, on est bien. Oh mon dieu. Oh la vache. Et bien du coup, brave Jean, maintenant qu'on est seul et qu'on a été abandonné, on va tenter d'aller récupérer la voiture de Fanta et de la foutre à l'eau parce qu'il l'a pas assuré, ce glandu, donc 900 000 $ déjà dans le fion, ça lui fera petit plaisir. Et ensuite, je me demande si on va pas faire un tour de manège. On l'a pas déjà fait ça le manège ? Le Léviathan que ça s'appelle, c'est stylé. Bon, et ben ça a pas beaucoup pécho quand même, hein, je tiens à le dire. Bon bah il a laissé son jeu tourner, tant mieux. On n'a pas grave pécho, chers amis. Hein. J'avoue que ça manquait un peu d'Eurobeat. Voilà. Ça prend bien sa vie. Voilà. Les 5 minutes les plus intéressantes du jeu vidéo. Putain, je pourrais faire un top 10. On est bien, là. On est bien. La vraie question, c'est est-ce que Fanta va repartir avec son perso pour un deuxième tour de manège ? Ou non, attends, la vraie question... Attends, c'est pas ça. Reviens. Attends, merde. Voilà, vraie question, c'est... Bon, allons chercher un jet ski en attendant. Allons chercher bravement, brave Jean, un jet ski. Afin de pouvoir profiter au maximum de l'impact. Oh super. Et ils sont dispo juste là. On va essayer de pas mourir, j'espère que c'est assez profond. C'est assez profond. C'était pas trop profond mais c'est assez profond. Voilà, pas mal.
On est bien, on est bien. Oh, je veux le rouge. Je veux le rouge. Bien sûr, je veux le rouge, évidemment, chers amis. Zui, zui. Voilà, il devrait être... il devrait être peut-être au quart. Je le vois pas parce qu'il est bloqué derrière là, là. Vous voyez, il doit être là, en fait. Il est bloqué derrière le truc. Ah putain, je peux pas activer les bombes tant que je suis à bord. Attendez, attendez. Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez, comment on les utilise? Putain. Attends, non, non, c'est pas ça. Putain, j'ai appuyé sur Y, je voulais pas. Reviens, non, 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 attends, reviens. Comment on les active, comment on les active? Non, ça c'est pour les jeter. Non, ça c'est Y. Putain, fais chier. Comment on utilise ces bombes à la con? C'est bas? Oh, le meurtre! Le meurtre! Ah, ça a pas mis que je l'ai tué. Oh bah il était parti. Oh, je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté. Et mon truc, il se barre. Hé, hé. Hé, reviens là. Reviens là. Reviens là, perle de perlimpinpin. On en a pas fini. Je vais vous prouver qu'on peut drifter avec ce genre de truc. Impeccable. Oulala, là là, attends, oulala, je maîtrise rien du tout. Oulala, oulala. Oula. Je ne maîtrise rien du tout. Merde, je suis en contresens. C'est pas grave, c'est pas grave. Si. Putain, mais c'est chaud, en fait. C'est ultra tendax. Oui. Oh là là, le virage à la corde. Le virage serré, un peu trop serré, là, pour le coup. Aïe. Wouah, les effets spéciaux. Bon, ok, c'est nul à chier. C'est intéressant quand on le fait contre des vraies pierres. Comme ça, genre. Quelque part, il est bien garé, hein. Voilà, je me plains pas. On profite, on joue à GTA. Bonjour, madame. Sui. Ah, attends. Sui. Ah, bah, putain. Ouah, la vache. Oh, la street fighting. Les esquives de cette femme, quoi. C'est bon? Oh, elle en a eu pour son argent. Elle en a eu pour son argent. Elle ne s'en relèvera pas. Attends, attends, j'ai pas un lance-flamme ou un truc comme ça. Voilà, attention. Bonjour, monsieur. Ça bronze? Oh, j'ai attiré la police. Ils ont aucun sens de l'humour. Tu peux pas t'amuser dans les GTA. Tu peux pas t'amuser. Que font toutes cette serviette sur place? Ouah, ils osent rouler sur la... D'accord, bah très bien. Bonjour. Très bien, ça c'est une roquette qui ne sera jamais... qui ne sera allée nulle part. Voilà, ça, ça marche bien. Voilà, ça, ça marche bien. Ça y est, on a trouvé. Ouais, ça rate! Qu'est-ce que c'est que ce lance-missile pourri? Depuis quand les lance-missiles, ils visent mal et... Attends, souris, on passe à la souris. Ouh, ça touche. Oh putain, derrière le... Oh la vache. Oh la vache, il est précis le mec. Oh la vache, c'est moi qui le suis pas, hein. Oh la vache, ce gars il survit, c'est Vin Diesel. Non, c'est bon, il est mort. Faut quand même pas déconner, il y a un minimum de respect. Voilà, ça, ça touche, mon gars. Ça, ça touche, mon gars. Ça, ça touche. Ils étaient déjà tous morts avant qu'il atterrisse. Voilà. Le vrai skill. Le vrai skill. La vraie fuite. Vous m'aurez jamais... Blah, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Et j'étais obligé de mettre fin à cette vidéo, chers amis, de manière à peu près propre. Parce que c'est une catastrophe. Est-ce que je peux éventuellement invoquer ma futo grâce au mécano? Est-ce qu'il veut bien? Une ruineur. Oh, une ruineur. Écoute, ouais, non, la futo. I'll bring it to you. I'll get back to work. C'est vraiment la voiture préférée, chers amis du Lennon. Il faut savoir que la Blista Compact, malheureusement, je ne peux pas l'avoir. Parce qu'il faut un compte GTA 5 PS3.
C'est-à-dire, il faut y avoir joué sur PS3 ou 360 et il faut avoir fait le transfert de ton jeu PS3 ou 360 sur PC. Et malheureusement, je ne pourrai donc jamais avoir la Vista Compact. Une fois, il y a un hacker, il est venu. Il était là, hey, vous voulez de l'argent, vous voulez de l'argent? Moi, je fais, non, je veux pas d'argent, mais je veux une Vista Compact. Et il en a fait popper une, je pouvais la conduire, mais je pouvais pas l'enregistrer. Du coup, j'ai pu goûter au plaisir du drift dans un véhicule d'une qualité absolument incroyable. Et là, du coup, je vous laissais apprécier, bien évidemment, avec la musique qui va bien derrière. Et le drift! Oh, le drift! Le drift, oula. C'est ça qui est bon. Sur ce, chers amis, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode avec un Fanta qui devait aller chercher sa fille. Un épisode de l'incapacité. On avait le temps, hein. C'est le fanfan qui m'a tenu, entre guillemets, la conversation à l'infini pour me parler de sa vie, de tout, de rien, du bonheur et du prochain high five. Exactement, hein, vous savez comment ça fonctionne. Et sur ce, je vous fais des gros bisous sur GTA 5. Oh, des bisous et à la prochaine. Le drift, mon gars, le drift. Pleine vitesse. Sweep. Wow, ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe, la conduite est réelle. Arrière. Ah, la conduite est réelle. Ça tient, ça tient. Oh, le drift. Pleine vitesse, pleine vitesse, pleine vitesse. Oh là 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 là, ce drift. Le plaisir d'un homme. Le plaisir d'un homme. Waouh. Le looping. Et voilà. Bah, c'est parfait, ça. On est bien. Allez, des bisous.